Cane Corso est une race de chiens italienne qui se distingue par sa stature imposante et son apparence intimidante. Le Cane Corso est un chien de grande taille. Les mâles mesurent généralement entre 64 et 68 cm au garrot, tandis que les femelles mesurent entre 60 et 64 cm. Le Cane Corso a une riche histoire qui remonte à l'Antiquité. On pense que cette race descend des anciens chiens de guerre romains, en particulier des chiens molossiens utilisés dans les batailles. Le nom du Cane Corso lui-même est dérivé du terme latin « coar », qui signifie « protecteur » ou « gardien ». Au fil des siècles, la race a évolué et s'est adaptée à divers rôles, notamment la garde de propriété, l'élevage de bétail et même la chasse au gros gibier. Trait de personnalité, le Cane Corso possède une combinaison de traits souhaitables qui en font un excellent gardien et un compagnon fidèle. Voici quelques traits de personnalité clés de la race. Les Cane Corso sont connus pour leur nature protectrice instinctive. Ils se méfient naturellement des étrangers et sont toujours attentifs aux menaces potentielles pour leur famille et leur territoire. Leur présence imposante à elle seule a un effet dissuasif. Loyal et dévoué, les Cane Corso sont incroyablement fidèles aux membres de leur famille. Ils nouent des liens forts et sont profondément dévoués à leurs propriétaires. Ils prospèrent grâce à la compagnie humaine et sont plus heureux lorsqu'ils peuvent être proches de leurs proches. Ce chien a une musculature puissante et bien développée. Son corps est robuste et compact, avec une ossature solide. Le Cane Corso a une tête imposante et large, avec des joues musclées et des mâchoires puissantes. Le crâne est légèrement bombé et le stop, angle entre le front et le museau, est bien marqué. Les yeux sont de taille moyenne, de forme ovale et de couleur foncée. Ils ont une expression attentive et intelligente. Traditionnellement, les oreilles du Cane Corso étaient coupées pour leur donner une apparence dressée. Cependant, la pratique de la coupe des oreilles est de moins en moins courante et de nombreux Cane Corso conservent leurs oreilles naturelles, qui sont de taille moyenne et en forme de triangle tombant le long des joues. La queue du Cane Corso est généralement coupée à une longueur moyenne, bien que cela puisse varier selon les réglementations locales. Dans les pays où la coupe de queue est interdite, le Cane Corso a une queue naturellement longue, de taille moyenne, qui est portée basse et légèrement recourbée. Le Cane Corso est un chien naturellement protecteur envers sa famille et son territoire. Il est réputé pour sa loyauté et son instinct de gardien. Le Cane Corso est un chien sûr de lui et calme. Il fait preuve de stabilité émotionnelle et n'est généralement pas sujet à la nervosité ou à l'anxiété. Cette race est connue pour sa grande intelligence et sa capacité à apprendre rapidement. Le Cane Corso répond bien à l'entraînement et est adaptable à différentes situations. Bien qu'il soit naturellement méfiant envers les étrangers,
Le can corso peut être sociable et affectueux envers sa famille et les personnes qu'il connaît bien. Une socialisation précoce et une éducation appropriée sont essentielles pour favoriser un tempérament équilibré. Le can corso a besoin d'un exercice régulier pour maintenir sa santé et son bien-être. Des promenades quotidiennes, des jeux interactifs et des activités mentales stimulantes sont recommandées. Le can corso est généralement une race robuste, mais comme toutes les races de grande taille, il peut être prédisposé à certaines affections, notamment la dysplasie de la hanche, la dilatation-torsion de l'estomac et certaines affections oculaires. Un suivi vétérinaire régulier, une alimentation équilibrée et de l'exercice adéquat sont importants pour maintenir la santé du can corso. Ces chiens font preuve d'un haut niveau de courage et de confiance. Ils ne se laissent pas facilement intimider et sont prêts à défendre leurs proches si nécessaire. Cependant, une socialisation et une formation adéquates sont cruciales pour garantir qu'ils réagissent de manière appropriée à différentes situations. Les can corso sont des chiens actifs qui nécessitent un exercice régulier pour rester stimulés physiquement et mentalement. Des promenades quotidiennes, des récréations et des activités interactives sont nécessaires pour éviter l'ennui et maintenir leur bien-être général. Ils prospèrent dans des environnements qui leur offrent suffisamment d'espace pour se déplacer. N'oubliez pas que la possession responsable de toute race de chien implique de fournir des soins, une formation et une attention appropriées à ses besoins. Si vous envisagez un can corso, il est essentiel de faire des recherches approfondies, de consulter des éleveurs ou des organismes de secours réputés et de vous assurer que cette race correspond à votre style de vie et à vos capacités en tant que propriétaire de chien. L'alimentation du can corso joue un rôle crucial dans sa santé et son bien-être. Nourriture de qualité. Optez pour une alimentation de haute qualité spécifiquement formulée pour les chiens de grande taille et adaptée aux besoins nutritionnels du can corso. Les aliments commerciaux haut de gamme, qu'ils soient secs, croquettes ou humides, boîtes, fournissent généralement une nutrition équilibrée. En résumé, le can corso est un chien imposant, confiant et protecteur, qui nécessite une socialisation précoce, une éducation cohérente et un exercice adéquat. Il peut être un excellent compagnon pour les propriétaires responsables et expérimentés, qui sont prêts à répondre à ses besoins en termes d'exercice, de formation et de leadership.